Hey! Ici Frankie de Arenki, bienvenue à la partie 3 de Limbo. J'étudie Lucius. Non, pas là, mais la dernière fois. Ou dernier épisode, je ne sais pas. Okay. Merci. Non, ça marche pas. En tout cas, on commence la partie. Là, vous allez rien comprendre parce que dans la... Parce que, gars, checkez ça. Oh, mais je suis coincé, je ne peux rien. Oh, un autre humain avec une larve sur la tête. Pourquoi il marche vers l'eau? Pourquoi est-ce que... Oh! Ben oui. C'est que les larves vont qui contrôlent un peu ton corps. Donc, ouais, c'est dégueulasse là. En tant que tel, je viens de marcher sur des cadavres d'enfants. Mais quand une larve te touche, tes contrôles s'inversent. Ok, pour ça, il n'y a pas de moyen. Ah! Je sais. Et voilà. C'est très triste. Je traîne un cadavre d'enfant. Je scrape la face à terre. Je vous l'ai dit, là, c'est troublant comme jeu. C'est pas normal. C'est incorrect. Checker. Aïe aïe! Le l'autre est déjà parti. Il va me faire toucher par une larve. C'est quoi ça? Ok, je sais pas. Oups, j'ai toujours pas mis de timer, je crois pas bien non. Bon, fait qu'on continue. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'inverse d'un bouton, dans le fond. Faut que tu payes sur la plateforme parce que tout le reste est un bouton sauf la plateforme. Tu sais? Et c'est le contraire. Non? Ah, ok, c'est ça. Ouais, c'est vrai de ça. Ok, ils m'ont eu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, c'est ça. Il y en a qui meurent. Il s'est fait écraser. Et voilà. Ils sont tous morts. Mais comment ils se sont rendus là, à la base? S'ils ne savaient pas comment ça marche, ça, on ne sait pas. Là, c'est encore supposé d'enregistrer correctement. Ça va mettre un gros tabarnak si ça marche pas. C'est genre le seul jeu que tu peux voir des enfants mourir puis des enfants essayer d'entretuer d'autres enfants, tu sais. Pas d'entretuer, mais de tuer. S'entretuer entre eux, hein. Yep. Est-ce que j'ai vu... Ah, c'est ça. Hier, c'est ce qui m'a redonné le goût aussi de jouer. D'y rejouer, c'est que hier, un ami à ma soeur, il a joué à ça sur l'Xbox. Ça m'a redonné le goût de jouer à ce jeu-là parce que c'est merveilleux, c'est vieux. Ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais petit. Va chier! Non, faut tout que je recommence. C'est une merde. Là, c'est comme un walkthrough pour ceux-là qui voudraient jouer le jeu. Si vous êtes coincé à telle place, on va justement écrire c'est quoi le numéro du chapitre dans le nom, dans le titre. Yep. Oui! Oui! Ok. Mm-hmm. Swing. Swing. Non! Allez, 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 allez! Yeah! Enfin! Et à partir de maintenant, je me rappelle pas de grand chose. Fait qu'on va voir c'est quoi qui se passe. Yeah, les champignons! C'est louche, ça? C'est-tu un oiseau ou c'était. Oh non! Pas obligé! Oh oh! Non, 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 c'est ça. C'est pas que les contrôles sont inversés. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ils s'inversent une fois de temps en temps.
C'est avec la lumière, c'est ça, le contact de la lumière. Ça, ça aime ça manger ça, les pépettes en haut. Et voilà! C'est aussi simple que ça. Avec le contact de la lumière, dans le fond, c'est pas que les contours sont inversés. Les contrôles sont pareils, sauf que tu peux juste aller plus vite ou moins vite. Tu peux plus choisir de quel bord que c'est toi, de quel bord que toi tu veux aller. Un chien? C'est mon petit but normal. Quelque chose à faire. Mon petit bonhomme. Ok, mais. Okay, mais ça me dit rien. C'est cave? Je vois même pas l'utilité. Je me rappelle plus du tout du level. Hein? Un peu, je peux-tu remonter? Attends, on va sûrement amener de l'eau. Ok, c'est une échelle. Ok, c'est bon. Il y a de quoi là, quelque part? Là. Ça, je peux pas aller dessus. Ok, c'est ça. Ah, je viens de catcher. Il va aller là-dedans. On va tourner à roue. Faisant de la friction. Bang! C'est que tu peux contrôler les températures et un peu de tout là-dedans. Vu qu'il y aura de l'eau qui va couler, on va rediriger l'eau. Ah, j'ai eu peur qu'il y ait quelqu'un, là, ça m'a fourré. Je sais pas, j'ai regardé au-dessus de mon ordi, puis il y avait quoi. Et là, et voilà. L'eau va se remplir, ça va monter. Ben, c'est parfait! Yes. Yeah. Et là, j'ai hâte de voir c'est quoi la suite. Oh, cela on dirait du goudron, puis c'est très fond, très sombre. Mais c'est grave, j'ai essayé de grimper, mais j'ai recollé. Pas encore cité. Il y a quelque chose là. Là je sais pas si je vais devoir monter le ton. Si je bloque avec ça. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Comment faire monter le niveau de l'eau? Comment? Ah! Oh, attends un peu! C'est une manivelle, ça. Oh non! Non! Je viens de cacher. Ah oh, ouais. Là, je viens de comprendre bien raide ce qu'il faut faire. Vous allez tout comprendre, mais. Même vous autres, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Je le mets ici. Exactement là. On va tasser une chose, puis ensuite, je monte l'eau.
Ah même, je peux le faire là. Si j'ai le temps. Et voilà! Tout aussi simple que ça. Ouais, ça va monter. Ouais, c'est fini. Oh, oh. Je cours. Ah non, là, ouais. Ouais. Fait que... On va aller ici. Fait que merci d'avoir regardé la partie 3 de Limbo. On se revoit dans la partie 4, probablement. Ça ferait du sens. Fait que, passez une très belle journée. Ciao!